Salut à tout à l'heure, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit concept de vidéo un peu bizarre. J'ai envie d'écouter mes anciennes vidéos ASMR, les anciennes vidéos que j'avais fait auparavant. Voilà, donc ça peut être... C'est une chaîne YouTube que j'avais auparavant. Et comment dire ça, j'étais relativement jeune et j'ai hâte de voir un peu... Voilà, je vais tout simplement me critiquer, on va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu comment j'étais avant. Bonjour à tous et à tous. Bon, déjà, ça commence mal. Bonjour à tous et à tous. Cette vidéo va être longue, très longue. Si, ASMR, un photographe. Et je vais vous faire des ombres chinoises. C'est bizarre. Des ombres chinoises. Écoute, franchement, le concept est bon. En vrai, le concept est bon. J'avais déjà de l'imagination à cette époque. Ça remonte à 7 ans en arrière. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça remonte. Bien. Donc... Une mouche sur la je me l'attaque pas une mouche. Donc... vous apprendre à parler et faire des gestes avec ma main comme ceci. C'est bien top. Des gestes relaxants. Ouais. Des gestes... Ouais, YouTube ça bug. Alors, quand YouTube bug, c'est que là, y a plus rien qui va. Pour toutes les personnes qui. T'es quoi? Qui m'ont. Ou des gestes quoi, y'a pas de. Qui m'ont. Qui me mettent des j'aime. Ça me fait très plaisir. C'est bien Tom. Sur mon Facebook. Attends, sur mon Facebook. Mais non, à l'heure d'aujourd'hui, plus personne dit ça. Franchement, allez mettre des j'aime sur mon Facebook, s'il vous plaît. Non, ça n'existe plus. C'est magnifique. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est inédit. Je te rassure, c'est très très inédit, Tom. Bravo. Continue comme ça. C'est ça, c'est représenté quoi, s'il te plaît, ça c'est... Non, mais à un moment... Non, mais écoutez, je suis désolé, mais ce truc ne représente rien du tout, on est d'accord. C'est pas un chien, ni un chat, c'est rien du tout. Continuons. Qui me disait oui, c'est quoi une blague en fait. Il y avait de la mission, tu vois. Il y a déjà à cette époque j'avais de la mission. Ah, parle-nous de ta bague, on veut savoir l'histoire de cette bague. Et ma bague. Ça se sent que j'ai rien à dire et du coup j'essaie de combler, tu vois. Ça se sent, genre voici une bague. Oui, d'accord, on s'en fout de la bague. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est rien du tout ce truc. Non. Alors déjà, si vous voulez faire des vidéos ombres chinoises, apprenez à faire des ombres chinoises.
Celle-ci, je la tenais pas. Tu regardes. Tu regardes des ombres chinoises et puis d'un coup, et oh, je suis un grand sportif. Je suis un sportif, donc je fais des courses. Un courant. Les gars, oui, parce que quand tu fais des courses à un marchand, c'est pas. Bon, y a mieux. Y a mieux qu'une course à un marchand, c'est pas. Y a mieux. Ça a changé. Ça a changé, Tom. Ça t'a appris, tu le sauras un peu moins. Profite. Donc, car c'est vrai qu'un photographe, quand on prend des photos de paysage, c'est assez dur. Car moi, je vais les faire. Attends. Prendre des photos de paysage, c'est assez dur. Oulala, dis-moi, dis-nous, Tom, comment c'est dur d'être photographe. Se lever à 7h. Admirer le lever du soleil. Donc, à 7h, je me lève. Bon, c'est pas très tard, très tôt quand même. 7h, c'est tard. Bah non. Et je me lève et je vais me passer la nature complète pour. T'as aucun argument. Y'a zéro argument. Écoutez, photographe, c'est très dur parce que. Parce que je me lève à 7h. Et j'admire le paysage. Waouh. Quel taf dur. Bon, bon. C'est un trucage, bien évidemment. C'est un trucage, bien évidemment. Donc... C'est parce que j'avais... C'est un trucage, évidemment. Ça, c'est parce que je ne savais pas encore utiliser Photoshop. Du coup, j'avais le seum. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. C'est parce que je vais... Oui, ouais, d'accord, ouais, d'accord. C'est bien de l'avouer. Ça, en vrai, c'est mignon. Le chien, waf waf. Waf waf. Effectivement. Donc. Ah, c'est dur. C'est dur de rater ça. Je. Tu. Je déteste ça. Tu finis jamais les phrases. Ça m'horripile. Genre, il fait. Franchement, qu'est-ce que je m'étais pété de gueule à l'époque pour les titres, quand même. Et là, je vais écouter l'outro. Franchement, je veux écouter l'outro. Mon bel appareil. C'était un Sony Alpha 290. C'était la grosse merde. Mais c'était... Donc, pourquoi pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous a endormi. Va vous plaire. Je serais tenté de crier, mais... je n'ai pas envie. C'est à tous. D'accord, mais encore ça, c'est mignon.